Et salut tout le monde, c'est Onink. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode du Let's Play sur le jeu Alice Madness Returns. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, j'espère un jour réussir à tourner cet épisode parce que j'arrête pas d'avoir des soucis depuis tout à l'heure. Des crashs, des interruptions pendant que j'essaye de tourner mon épisode. Bref, il se passe plein de choses. Donc j'espère réussir à tourner cet épisode un jour, ce serait cool. Bref, je vous retrouve en arrière de là où on s'était laissé la dernière fois. Parce que du coup j'ai fermé le jeu. Et en le relançant du coup ça m'a remis au tout début. Donc depuis tout à l'heure je me retape le début, c'est merveilleux. Donc on va aller voir ce qu'il y a là. Mais comme vous voyez, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. J'ai surtout l'impression que si on va là-bas, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc... L'autre chemin semble plus intéressant étant donné qu'un collectable slash collectible. Hop hop hop. Donc la dernière fois nous étions arrivés dans le chapitre 5, la maison de poupée, l'avant-dernier chapitre, mais que j'aime appeler dernier chapitre puisque le chapitre 6 est extrêmement court. Hop. Du coup, dans ce chapitre, on devrait connaître le fin mot de cette histoire. Enfin, du moins, on va avoir des révélations dans ce chapitre-là. Oui, d'accord, du coup, ça rejoint... Ah, mais ça va... Là, je comprends mieux le niveau, du coup, oui, effectivement. Ça a un peu plus de sens. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ce serait bien qu'on ait une cinématique parce qu'on a quand même été introduit dans ce niveau avec absolument que dalle. Oula, j'ai eu un chargement là. Ça se détruit ce mur? Pas du tout. Oh, il y a l'air d'y avoir des choses sympas après. J'aime beaucoup cette tenue d'ailleurs, de ce chapitre. Je pense que c'est ma préférée. En mode, poupée de chiffon. Je sais pas, j'aime beaucoup cette robe. Cherche et tu trouveras, dit-on. Mais on ne dit pas quoi. Sauvez-nous. Par d'épices. Calme-toi. Hop. Allez. Ah. Quoi? Oh là, mais ça fait tellement de dégâts ce truc. Ceux qui sont instables ne sont pas seulement fous. Leur assemblage est compliqué. Le marionnettiste les privera de ce qui leur reste de leur âme. Aidez-les. Je comprends leur souffrance. Je les aiderai. Mais est-il nécessaire d'être sain d'esprit? Un petit peu, mais vous n'êtes pas assez folle pour être recalé. Vous êtes comme eux, en quelque sorte. Mais vous n'êtes pas eux.
En fait, je devrais dire nous. Car je suis eux et vous venez à nous. Le chemin est clairement indiqué. Je crois connaître le chemin. Et j'aimerais mieux ne pas m'y engager. Il est là, imbécile. Rentrez. D'accord. Donc ces enfants sont très glauques. Poupée. Bon, je sais pas, je fais des trucs au pif, on verra ce qui se passe. J'ai juste l'impression qu'il faut le taper. Hein. Il y a des trucs dans le dos. Il faut juste la taper en fait. D'accord, on lui enlève ses vêtements, c'est sympathique. Mais purée, ça a combien de vie ce truc? Ok, ça lui ouvre le bide. D'accord, je crois qu'il faut s'éloigner suffisamment. On voit des grenouilles. Fort résistance. D'accord, d'accord. Du coup, ils ont parlé d'un nouveau personnage, hein, le marionnettiste. Bien oui, j'ai vu que niveau collectable, que 8 coins. Bon, après, le reste, ça reste assez classique, 17 souvenirs, 4 salles, 13 bouteilles. On peut pas rentrer dans votre fort. Ah mais ils sont vraiment super. Eh, ils sont anti-pause. En tout cas lui là-haut il est anti-pause. Donc ouais c'est glauque. Les enfants. D'ailleurs rappelez-vous hein, ces enfants on les a vus au tout début dans le premier chapitre. On voyait des enfants justement qui couraient et qui rigolaient. J'ai super envie de tirer là-dessus. Mais ouais, ça fait absolument rien. Et on les retrouve à la fin, du coup. Très intéressant. Je vois rien, ok. Il est bien connu que celui qui dîne avec le diable doit avoir une très longue cuillère. Ah ah. On a combien pour les souvenirs? Les souvenirs. L'arme. 775. Ouais, alors d'ailleurs, j'espère que ces poupées, on va pas en avoir plus que ça, parce que elles ont l'air chiantes à affronter. Ah, c'est Humpty. Non, attendez, Humpty Dumpty, c'est un autre personnage, Humpty Dumpty, c'est l'œuf. La dépendance est une vertu, selon le lieu. Mais je me suis dit, c'est le... Je me suis dit, c'est les deux qu'on a vus la dernière fois, mais non. Pas du tout.
Mais du coup, je crois que j'ai confondu le nom des deux avec lui. Parce qu'il me semble que j'avais dit un truc genre Dumdi, Dumdi, quelque chose comme ça. Bref, j'espère que vous comprenez parfois quand je parle parce que ça n'a aucun sens, je trouve. Pour moi, ça en a, mais. Je me dis, waouh, un mec qui est pas dans ma tête, il comprend absolument rien à ce que je dis, quoi. Sauvez-nous toujours. Ouais, combat là. Pas des poupées. Ok. D'accord, c'est trop bien de renvoyer leurs tirs à eux. Première fois que je le fais depuis le début du jeu, hein, vous soulignerez. Ah, salut. Chaque enfant a un destin. C'est aux adultes qu'incombe la lourde responsabilité de guider les jeunes personnes. Forme là-haut. Ouais, y a pas impression. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Oh, mais il se passe des trucs là. Là, y a rien en fait. Ouais, ok, d'accord. Ok. Vous avez remarqué, il y a écrit up pour nous dire de monter. Voilà, j'espère que vous aviez compris quand même. Sympa ça, pas du tout glauque. Le champignon là qui est en dessous, ouais, il va arriver après, on va activer le levier, ça va encore faire bouger les trucs. Souvenir là-bas. Ouais, c'est ça. Les preuves sont nombreuses. Toute créature a un destin. Il est de mon devoir de trouver celui de ces jeunes personnes, qu'il soit ornemental ou utile. C'est de l'histoire. C'est de la mythologie. Il se prend pas pour de la merde, lui. Mais déjà, on apprend un peu plus sur lui. Hein. Enfin, dans le dernier chapitre, on a appris bien plus sur lui, là, t'as un souvenir. J'ai perdu un bras. Voilà qui est pratique. Allez, on va pouvoir améliorer la dernière arme. Où il est argenté. Et voilà, on a toutes les armes améliorées. Ça va servir absolument à rien de récupérer encore toutes les dents de ce niveau. Je sais plus ce que je voulais regarder d'autre. Non, si.
je peux pas l'afficher là, mais si. Ouais, d'accord, j'ai encore gagné un point de vie quand même. J'ai l'impression que je... Non mais ça me fait ça à chaque début de chapitre. Je crois que j'ai vraiment un souci. Un souci dans ma tête. Chaque début de chapitre, j'ai l'impression que j'ai plus de vie. En fait, je devrais juste regarder mes vidéos, quoi. Genre, je sais pas. Ça serait peut-être pratique. Attendez. Je... Quoi? Je suis paumé. Je refais que je laisse. Déjà, je suis stressé par cette dent, voilà. Ah, ok. Je vais où? Mais déjà, mon cerveau, il a pas enregistré ce que ça a fait, ça, donc c'est cool. Peut-être ça qu'il faut faire. Oui, du coup je pourrais sauter en face. Ouais, ça doit être ça, mais j'ai pas retenu ce que le l'interrupteur a fait, quoi. Après il est chaud leur chaud. Il est chaud leur chaud. Il est chaud leur saut. Là-bas, non mais là-bas c'est après. J'espère. J'entends un groin. Ah mais ça s'est refermé d'un... Ah non mais me dites pas que j'ai loupé un truc. J'ai l'impression que j'ai loupé tout un chemin. Oh là là. J'entends plus le groin aussi. Oh, mais il y a des trucs là aussi. Mais attendez, je suis... Oh my god. J'aime pas ce chapitre. Ça se pétait en fait absolument pas. D'accord, donc c'est bien par là. Mais du coup j'ai totalement loupé un chemin, on est bien d'accord. Ou alors j'y vais là, je sais pas. Ah ouais non mais là vraiment je suis paumé dans ce chapitre. Pourquoi c'est pété le mur ici? Ah parce que oui j'ai tiré, ok. Ça oui ça a du sens. Ok, fallait que j'aille vite, on est bien d'accord. J'ai eu un doute en fait si c'était secondaire ou non. Ce détail. Ah
Ah ouais, non, mais j'aime pas, en fait, c'est pas assez ouvert, je... J'ai du mal à comprendre tout ce qui m'entoure. Genre, il y a des murs, des petites maisons, des passages partout. Ça me gonfle. Voilà, il fait des moves chauds, lui. Mais t'as plus rien qui te protège, là, qu'est-ce qui me fait chier? Donc tout à l'heure j'ai loupé un chemin. Donc là on peut juste être sûr que j'ai pas du tout tous les collectables du jeu. Voilà. Enfin tous les collectables du jeu, tous les collectables du niveau, du chapitre. J'ai peut-être même raté une seule radula. Après, est-ce que c'est si mal que ça vu que j'en ai déjà raté d'autres? Attendez, mais j'avoue pour l'instant on est bien avancé dans le chapitre, j'ai pas de seule radula quoi. Je pense que je vais en rater trop des collectables dans ce niveau. J'ai l'impression que je vais trop vite. Ah, le groin, c'est vrai. Attendez, il est où? Oh my god! Ouais, ça m'embête un peu de rater la première salle radula parce que c'est les énigmes, mais j'aime bien les petites énigmes. Le docteur Wilson n'est pas dupe, Alice. La discipline est obligatoire. L'hygiène est en option. Même si vous croyez déjà tout savoir sur l'électricité, vous n'en savez même pas la moitié. Elle peut se montrer très pédagogue, très stricte, exigeante. Tu n'es pas une chatte, ma chérie. Toi, tu n'as qu'une seule vie. Je t'en prie, fais attention avec ces couteaux. En fait, ça me ferait surtout chier de rater des souvenirs. Surtout son rapport avec la famille Lidl. Mais du coup, ça m'angoisse d'avoir atteint un chemin parce que là, c'est vraiment... Je le sais, quoi. What? What? Hein? Mais voilà, comment... Vous voulez que je comprenne comment ce qui se passe? Ok. Cherche bien et tu trouveras souvent, si c'est trouvé. Toujours les sous-titres aussi incroyables par rapport au message. Donc le sous-titre, même dans un trou noir, la voix, même si c'est trouble. Y a rien, hein.
Dans cette maison, il y a des trucs. Mais arrêtez de tout faire tourner, bouger. Moi, je suis paumé. Ah, wow, 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 wow. Putain, je le voyais pas au début. Mais quoi? Ok. Il y avait un cube là. Tu joues de ma gueule. À l'aide. Puis c'est merveilleux parce qu'il ne tient même pas plusieurs fois. Je m'attendais à ce que... Il y a un petit truc, un petit collectable. Pas du tout. Tristesse. Alors...
Ouais. Ok, on la refait. Déjà, attendez, j'ai un doute si je me suis pas trompé sur le côté des yeux, là, en fait. Non, celui-là, il va à gauche. Oui. Merde. En fait, j'ai un souci par rapport à ça. Non, non, mais pour moi... Pour moi, faut commencer comme ça. C'était très facile en fait. Enfant de putain, d'accord, ok, bah on n'a plus rien à foutre. Ouais, bah ça dégage comme tous les autres ennemis. Ok, très bien. Il y en a un autre. Ah, il tire. Attendez, on va récupérer des dés. Voilà, pour voir combien on aura en trop à la fin. Et quoi? Pourquoi? Ok. Apparemment, je n'avais plus de saut. Ah, je suis passé. Attendez, je suis... Ok, je suis passé. Ouais, en fait, trop chiant à toucher. Ça touche là. Ah, en fait, vous êtes chiant. Ok. Ma vie, elle est trop bien. Je... Yes. Alors, depuis qu'on a commencé ce chapitre, genre, tout se passe, mais super bien. Je touche un peu à mon micro en plus. Il y a un souvenir là. Dis-moi que tu me fais apparaître sur la plateforme. Ok, d'accord. Ça me va. Tout objet a sa fonction, même le plus modeste des entonnoirs. Comment voulez-vous passer le gin du tonneau à la bouteille? Elle, c'est une alcoolique niveau 100, quoi. Toujours qu'une seule radula. On est environ à la moitié des collectables. Quoi?
Ça ira du là. Ah, oh, c'est vu. Un chapelier. On va très vite savoir si c'est la première salle d'ailleurs. Si c'est une énigme ou un combat. Ah, l'énigme. C'est la première du coup. Je te sais friande de toutes sortes d'énigmes. Alors... Celui qui l'utilise ne s'en apercevra jamais. Qu'est-ce donc? Ah bah facile, un cercueil. Correct. Ah non, hop. Et un point de vie en plus. Et ce sera le dernier qu'on aura du coup. Ok. Eh bien écoutez, on va cesser ça pour cet épisode. À côté de notre ami le chapelier là. Parce qu'il commence à être long. Ouais, j'espère du coup qu'il vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Bye bye.